Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Comme toutes les semaines, Clémentine, tu t'inspires d'un élément de la vie de nos invités. Cette semaine, c'est pour Stéphane Metzger. Alors Stéphane, vous êtes comédien et vous avez joué dans la série RIS Police Scientifique. Donc série sur des enquêtes criminelles, avec des autopsies, des recherches d'ADN, des relevés d'empreintes. Et ça, alors ça. Petite, j'hésitais entre deux métiers, chanteuse ou médecin légiste. C'est comme médecin, mais sauf que les patients sont morts, donc plutôt cool. Ils te saoulent pas à te raconter leur vie, que le rôti de la veille était trop cuit, qu'aujourd'hui, bah fait pas très beau. Que la voisine du deuxième, eh ben, fait son pain elle-même, dis donc. Sinon, je suis très sociable comme fille, hein. J'aime bien les vivants. Comment dimanche ? Les vivants aussi, parfois, bon, quand ils me saoulent pas trop. Donc, j'ai toujours bien aimé les séries d'enquêtes sur des meurtres. Quand je les regardais à la télé plus jeune, je cherchais avec les inspecteurs à résoudre l'enquête, moi aussi. Comme eux, je prenais des notes dans mon petit carnet pendant les interrogatoires. Sauf que les inspecteurs, à la télé, ils avaient un avantage sur moi. C'était eux qui posaient les questions. Moi, j'avais beau gueuler sur ma télé, que cette question, on s'en foutait, que l'enquête ne menait nulle part, qu'ils s'étaient trompés de piste depuis le début. Personne ne m'écoutait. Bon, et puis, vu que c'était du faux, oui, c'était à la télé, donc une série, des comédiens, ils avaient lu le scénario, eux, ils savaient qui était l'assassin et quel était le mobile du crime. Et on remarquera que dans les séries, souvent, bah, y en a pas de mobile du crime. Les histoires qu'ils te vendent comme les plus gros crimes de magouilles, de tueurs, de mafias interplanétaires, de l'humanité, et bah, en fait, à la fin, on se rend compte que c'était un accident. Oui, que la victime avait juste oublié d'éteindre le gaz ou qu'elle s'était étouffée avec un bretzel. Dans mes petites notes, j'écrivais aussi le nom de tous les personnages. Parce que dans tous les films, toutes les séries de meurtres, c'est celui qu'on soupçonne le moins qui en fait est l'assassin. Du genre le petit frère de 10 ans, celui dont on connaît même pas le prénom, ou la petite vieille qu'on voit 2 secondes à l'écran donner à manger aux pigeons à sa fenêtre. Ben, en fait, c'est eux les assassins. Mais le truc qui m'énerve profondément, c'est quand à la fin de l'enquête, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent, des nouvelles histoires qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Donc ça, j'ai envie de dire, bah, et c'est normal qu'on trouve pas l'assassin, on savait même pas que Tata Yvonne, elle existait. Et j'aimais bien aussi les séries paranormales, du genre Medium ou Ghost Whisperer. Moi aussi, j'étais persuadée d'avoir un super pouvoir de devin et que certaines personnes n'existaient que dans mon imagination. Un peu comme le contraire d'un ami imaginaire. Un ami imaginaire, vous êtes persuadé qu'il existe, mais les autres ne le voient pas. Moi, j'étais persuadée que certaines personnes n'existaient pas, sauf que tout le monde les voyait. Bon, généralement, les gens dont je doutais de l'existence, je les aimais pas trop. Et au quotidien, je vous avoue, c'est pas facile de penser que certains vivants sont morts. Et puis surtout, souvent, les gens le prennent mal. Alors, Stéphane, vous qui avez joué dans une série d'enquêtes criminelles, vous vous y connaissez quand même un peu plus que moi, vous pensez que je suis une bonne cible pour ce genre de série où ça a un peu atteint mon cerveau? Alors, ça a un peu atteint ton cerveau, ça a un peu atteint ton cerveau. Bravo. Ok, merci. Ouais Stéphane, tu penses atteindre le cerveau, ouais vraiment. Ouais, de regarder trop la télé, puis les trucs glauques, au bout d'un moment ça te rend glauque, bah donc il faut s'aérer, voir des gens, boire des coups, être cool quoi. Ouais, c'est important de ça, de sortir. Finalement, vous regardez pas vous à la télé? Je regarde jamais la télé, je n'ai pas la télé depuis toujours. C'est vrai? Depuis 25 ans. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui nous confient ça, qui se regardent jamais. Si, ça va, si je tombe sur ma gueule, je vais me regarder en... Ah, c'est beau. Ah, qu'est-ce que. Tu vois, c'est ça quoi. Bon, vous êtes pas dégueulasse. Si tu écoutes ton émission, tu vas dire ah, oh, putain, j'ai une voix de con. C'est vrai, les gars. Il faut on s'aime pas. C'est pas évident. Donc, j'aime pas trop regarder, mais si je tombe dessus, des fois, je regarde pour voir comment je peux m'aller. Après, c'est du travail, mais c'est violent quoi. C'est plus un retour sur soi-même. C'est pas pour un cheat de me regarder. C'est une remise en question. Radio VL. Radio VL.